Moi je la sens un peu rock'n'roll. Je sens que elle aime bien se transformer. On va réutiliser le noir de manière hyper forte et vraiment graphique quoi. Donc moi j'imagine bien un super bel aplat. Et ici on va venir avec une petite pointe de chat là. Ça te dit la pointe de chat? Ouais. Trop beau. Bon c'est parti. Ouais, avec des chutiers comme ça, avec un foulard, un truc un peu pinard. Ça va être la surprise. Ça marche. Right. Monter petit à petit la forme, comme ça on va vraiment l'adapter à ton regard. On va d'abord partir jusque sur le pli de la paupière mobile. Sur l'intérieur de la plat, tu peux y aller et déposer un maximum d'encre. Sur l'extérieur, il faut être plus légère avec la pointe. On va vraiment avoir une forme qui exagère. Une fois que ta forme est faite, t'as plus qu'à revenir avec des petits accoups pour égaliser le noir. C'est bien là, non? Ouais. Tu vois, c'est un cat size oversize. C'est ça, c'est hyper simple. On va maquiller un tout petit peu la bouche. Ok. J'aime bien quand elle s'efface un tout petit peu au niveau de la texture. Quand on a un regard comme ça, on va utiliser un rouge qui s'appelle Beau Brun. Il est velvet. Tu le mets vraiment en nuage. Donc, pas de contour précis. Soit avec le doigt, soit juste avec les lèvres, en massant les lèvres. D'accord. D'accord. Oh là 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 là. Trop belle. Alors, ce qu'on va faire, comme elle a beaucoup de cheveux, qu'on va faire des nœuds. Quand on a marre d'avoir ta grosse touffe, tu peux te faire, comme ils sont courts, on va mettre 1000 pinces. Tu crains pas, toi? Pas du tout. Tant mieux. Alors, foulard. Moi, je fais des nœuds pour que ça se transforme en tresse. Bah, tu sais que tu peux faire ça. Hein. Voilà. C'est cool, hein? Hyper beau.